Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Cette femme qui avait peur de sang qui a touché le vêtement de Jésus. Amen. Vous voyez, comme il y a une onction dans la chanson, ça vous emporte. C'est très fort. J'ai touché le vêtement de Jésus. Quand j'étais de l'autre côté dans le monde,
C'était la maladie, les difficultés. Mais le jour où j'ai touché le vêtement de Jésus, il a restauré ma vie, il a instauré la paix et la joie. Maintenant, vous allez bien chanter ça. Vous connaissez la situation. À Jésus parce que je l'aimais. Non. Moi, je n'aimais pas Jésus. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Parce que j'étais musulman. J'ai connu Jésus quand j'étais dans les difficultés. Amen. Faut qu'on se dise la vérité. Amen. Toi, tu es ici à Divo pour être changé de poussuit. Sinon, tu es un buveur de belay. Ah. Les jeunes à mer, les 4 heures du matin. Tu bois ça. De quoi? C'est terrible, hein? Il y a tous ces noms là. C'est Akpeshi là. Au Togo, on appelle ça Akpeshi. Akpeshi au Togo. Akpeshi, voilà. Tu étais déjà. Quand tu sors, tu vas te manger, tu as couru, non? On n'aimait pas les. Il dit non, j'aime le Seigneur. Je me suis levé, j'ai l'amour du Seigneur. Non. On est tous attaqués, on a vu le revenir. Il y a Jésus pendant que c'est vrai. 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 En lui, c'est la paix. Amen. Moi, je suis le rescapé de la famille. Ceux qui m'écoutent savent que c'est la vérité. Je suis le seul survivant sorti à manger. Sans lui, il était mort. C'est ce qui est vrai. C'est-à-dire, si vous ne vous confiez pas à ce grand Dieu qui est Jésus, vous êtes mal barré. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je sens que ce matin, vous êtes bien en forme. Hier, je ne sentais pas les gens trop en forme. Il y a quelqu'un qui te bénisse. Moi, je travaille toute la semaine. Amen. Amen. Tous les matins, je suis là. Je te bénis.
La maman aussi est fait que Dieu te bénisse. Ça va? À quoi? Vraie maladie, mais il y a quoi? 35. Alors vous allez rentrer ici. Moi j'ai été planétaire. Quand je suis à la maison, je cherche à chanter dans toutes les langues de la planète. C'est mon souci. Je ne suis pas là pour français, brûle à moi. Je veux chanter en baoulé, en j'ai envie de chanter en singo. Correcteur, c'est ça, j'avais dit Dieu, non? Je suis en train de composer un chant en singo. Correcteur, des chants bizarres, intérêts bizarres. Je vais composer un chant. Vous sortez de l'ordinaire. Nous, on a dit ça. Quand tu as dit ça, vous sortez de l'ordinaire. Comme ça, les gens te foutent très bien. Amen. Amen. Même moi, tu dis Dieu, voilà. Vous connaissez Dieu? Hein? Oui. Comment on appelle Dieu? Bali. Ah, mais c'est la même chose que Bourou. Vous faites frontière. Elle est Bourou dit Bali. Vous dites balai, c'est ça? Comment on dit Jésus? Jésus. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Ça va maintenant, tu n'as plus peur. Tu crois pas là? Moi les bas bizarre. C'est bon. Comment tu as protégé ça, si tu as protégé ça. Fait, et puis il y a quand la France est franc français. C'est une pièce, c'est l'argent blanc. Non. Tu vois? Je dis ça sur le marché. Pourquoi tu payes quelque chose que tu ne connais pas, tu portes? C'est pourquoi? Tu sais ce qu'ils ont fait là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Tout porter. Je vois mieux clair que toi. Là, tu peux aller porter ça. Quand on porte bague là, c'est ce qui brille là. Oui. Ça là même c'est fétiche. Toi-même tu connais. Tu connais. C'est l'argent blanc. Moi là, je suis fils de Doula. Ma maman est peu. Donc on connaît. Oui, maman elle est qui t'a marié. Regardez mais tous mes pièces. Je vous comptez ça tout à l'heure. Donc je connais. J'ai vu Nasigui. Puis même. Si c'est grâce à Dieu, je suis pas envoûté. Là, je connais ça avant de venir dans Jésus. Je connais ça là. Ça, c'est l'argent blanc. Non, peut-être ça, on dit non, ça va maîtriser notre argent. Ça va faire que l'argent va venir. Voyez, si l'argent s'envole. Il faut laisser ça. Tu viens à l'église encore, tu mens. Il faut que Dieu te délivre des mensonges. Tu es un petit menteur. Elle est petite de moi, mais ça a sorti. Mais il est possédé. Quelqu'un qui est possédé va mentir. Pasteur. Pourquoi les jeter? Trouver le sang de Jésus. Bon, le feu. Où il ne va pas trouver. Vous allez voir un jour cancer de toi. Ça là, il va avoir cancer de toi un jour. Jésus là, il te donne cadeau. Tu ne mets pas bague, tu ne mets pas ceinture, tu es à l'aise. Je vois nos enfants, ils ont les ceintures. Comment un enfant, tu le trouves? Il les colle comme dozo. Il a blanc ici. C'est comme les commis, danser de commis. C'est ça. Mais vous apprenez un enfant? Non, parce que dents va pousser. Qui t'a dit dents? Quand un enfant blanc pousse dents, est-ce qu'il met Corrie? Pourquoi c'est pour nous on a besoin de mettre Corrie? Attends, pourquoi pour nous on a besoin de mettre Corrie? Non, si on touche tout l'enfant, on parle, il ne va pas grossir. Est-ce que l'enfant blanc, il n'en parle pas? Mais pourquoi ils ne font pas les enfants grossir? Ils sont plus intelligents que nous. Mais nous, on a oublié de mettre les pieds. Tu vois l'enfant, son bras, son truc. On est deux ou un monstre. Un catcheur sénégalais. Il y a des enfants, quand tu vois, c'est, tu dis, mais lui là, il va devenir demain, il va être lutteur sénégalais. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'aime bien tout ce qui est Afrique et leur manière de faire. Les catcheurs sénégalais là, eux-mêmes, ils sont féticheurs. Chacun son féticheur. Son féticheur, il danse, il verse l'eau sur lui. Puis le gars, puis il va cacher. C'est pour dire, il fait combat à un fétiche. Oui, c'est ça. Vous avez vu ça? Moi, les gars, ça me fait rire. Et ils déclassent ça. Ils ne cachent pas pour eux. Chacun derrière, il y a son féticheur. Quand il finit, il vient, il verse. On va où est tout ça? Le Sénégal, allez où est tout ça? Vous avez un fétiche là. Ça vous envoie où?
Vous êtes premier dans le football. Hein? Blanc, assez blanc a le temps d'aller lutter quelqu'un. Blanc a le temps d'aller lutter quelqu'un. Pourquoi vous mettez un enfant au monde, vous êtes obligé de mettre les courriers et puis les trucs aux reins, les ceintures, comme un douze. Vous apprenez l'enfant à être féticheur. Amen. Amen. On n'a pas oublié de mettre les bagues, tout ça. Pour dire qu'on a... Moi, Dieu, il est en moi. Donc, il est dans mon sang. Bague, là. Je n'ai pas forcément ça. Je n'ai pas ça. Mais il est dans mon sang. Tu m'as eu, là. Tu as affaire à moi. Pouf. Demandons tous les didas de Dieu. Les sorciers. Moi, je mets des filles toujours. Tous les sorciers de Côte d'Ivoire. Je vous dis, je vous mouais. Ça, je ne cache pas ça. Et puis, il y a ma base. Je ne suis pas caché. Hein. C'est vous qui avez les petits coins où caché. Moi, il y a ma base, c'est Divo. C'est ici, derrière la scène pièce. Celui qui dit qu'il est grand sorcier. Il n'a pas venu me trouver ici. Pour dire, je suis venu te défier. Ce jour-là, tu vas savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Tu vas te convertir. Moi, je ne cache pas pour moi. Toi, tu es un grand sorcier. Tu n'as pas déplacé à Abidjan pour envoyer à Tibo. Moi, je savais mes frères. Vous dites, ah, il est fort. Hein. Il a pris Abidjan comme ça. Divo. Ah, il peut me frayer un peu. Il peut me frayer, mais ne me moins pas. Et frère va dire qu'il me moins. C'est ça, me frayer, mais j'ai été gagné. Moi, j'ai le combat. Tu vas me frayer. Au moins, il a fait quelque chose de positif. Parce qu'on voit Divo a changé. On voit l'échanger, le pont. On est content. C'est ce qu'on veut, non? Mais comme il y a son sorcellerie derrière, là, il te gagne. Mais pourquoi vous, la sorcellerie, ne faites pas des bonnes choses? Non, je suis sorcier. C'est tout. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ça. Vous avez vu un blanc qui dit je suis sorcier? Non, les blancs sont des savants. Ils inventent les choses. Ils inventent les choses. Ils ont des connaissances, des savoirs pour créer avion. Vous avez vos petits balais. Et tout là. 15 minutes. Nous, on fait 6 heures. Abidjan, Paris. On a peur, en turbulence. Qu'on a peur, oui, parce qu'Abidjan va tomber. Seigneur, mon Dieu, tu te souviens de tous les attaques. Puis quand t'es sorcier. Celui qui a pris Abidjan connaît ce genre de turbulence. Ou bien, ça nous perd. Tu ne peux pas dormir. Tu te souviens de tous les sorciers. Seigneur, le feu sûr. De ceux qui sont derrière moi, le feu. Puis tu arrives à destination. Amen. Amen. Vous avez, vous faites 15 minutes. Mais donnez-nous ça. Ou bien aller donner le brevet à Bouygues. Moi, vous savez. Bon, j'ai une connaissance. J'ai quitté Tofla pour venir à Paris en 15 minutes. Faites comme ça, faites comme ça. C'est pas l'Afrique avance. Nous, au moins, on a quelque chose. Vous faites 6 heures, nous, on a 15 minutes. Vous mangez seulement l'homme. Orteil, tête, langue, nuque, narine. C'est ça en cagouchou. Attends, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que ça se fait? J'ai mangé des narines, j'ai mangé tête. Quand ma tête, il y a narine là-dessus, il y a nuque, il y a oreille, il y a langue. Une petite langue. C'est vieux. Depuis quand sorcellerie fait avancer les choses? C'est ça que les blancs, ils nous narguent. Nous, on est experts dans le mal. Ça dit pour faire le mal, on est experts dedans. On espère, c'est pour ça qu'eux qui ont combattu la sorcellerie jusqu'à quand les Blancs, les Allemands sont venus attaquer la France, le plan Maréchal, ils sont venus chercher tous les sorciers africains pour se mettre au devant. C'est eux qui ont mis les devant. Parce que la sorcellerie est faite pour le mal. Donc eux, se mettaient devant comme bouclier. C'est pour ça que les gens nous doivent beaucoup de choses. Ça, c'est la vérité, vous dis. Je ne suis pas politicien. Mais ce que l'Afrique a fait pour vous, là, vous nous devez beaucoup de choses. Ah, c'est la vérité. L'histoire est là. Pourquoi en tout moment, c'est nous, vous voulez marginaliser? Pourquoi nos parents vous ont défendu? Pourquoi vous ne nous défendez pas quand il y a la guerre ici en Afrique? Pourquoi? Pourquoi il y a la guerre ici? Vous ne voulez pas défendre l'Afrique. Au moment où vous avez des crises, nous, on vous a défendu. On dit, ah lui, là, c'est un chasseur d'éléphants. Hein?
Or, le vrai chasseur de démons au village, c'est un sorcier. Il disparaît. Ouais, éléphant. Moi, tu me moins. Derrière le vieux, tu flèches. L'éléphant est mort. Il appelle tout le village. Oh, on acclame. Oh, il est pauvre, il dort dans une case bizarre. Il boit au des marigots. Il est content, il est fort. C'est tout ce qu'il veut. C'est ça. C'est sa force. Il est fort. Il marche un cadre. On dit, il a... C'est ça. Et quand il parle, personne ne parle. Mais ça envoie quoi? Blanc dit, et Nestlé là, c'est pour moi. Ça, c'est Nestlé. Vous comprenez? Blanc dit, c'est Nestlé. C'est une société qui est restée. Blonde. Tu te l'appelles savon, BF. Bon, d'autres mecs, c'est pas savon, mais BF. Et les gens sont esprits en coup, cabacou. Ils sont experts en cabacou. BF. Blonde. Donc il fait Dinor. Nestlé, on boit l'air. Tu n'es pas content. De génération en génération. On t'a une fois monté la case de ton aïeux, celui qui a mis le grand-père de ton grand pour monter. Tu n'as pas vu sa maison? Non. Hein? Allez voir Château de Versailles en France. C'est elle là. Pourquoi nous, on gâte? Et c'est dans nos sangs. On voit un pont, on va, on est content. Dans 10 ans, ça se gâte. La route de Divo, là, on a fait jusqu'à 2 ans. Le président va venir. Le président, la sang va venir. De quelle est passée? Fiable. Un an après, c'est devenu une nid de chameau. Ma voiture m'est restée la dernière fois le week-end passé, c'est resté sur la rue. Encore, on a peur. Pourquoi on a... Même pour faire la peinture de notre maison, on a ce problème. On ne sait pas conserver les acquis. C'est dans notre sang. C'est-à-dire les acquis, là, ce qu'on a là, on ne sait pas préserver ça. Pour garder ça, là, on ne sait pas faire. Mais pour gâter, là, c'est la minute. Or, pour gâter, plus facile. C'est ce qui est dit aux sorciers. Vous gâtez, vous tuez, là. C'est la minute. J'ai toute la connaissance possible pour vous nuire. Il y a ça. Mais ce qui est en moi, ça produit l'amour et la vie. C'est pour ça que ça ne dit rien. Je m'approche toujours de vous pour vous aider. Vous avez tué. On dit Dieu est amour, il est fait un feu de vos robes. De toute façon, il est amour, là, il détruit le feu. Amen. 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 Quand je suis en légitime défense spirituelle, j'attaque. J'ai ma dernière lance-roquette. Quand il te fout ça, tu tombes. Ça, c'est la vérité. Chacun a son secret. Je suis ici, il y a une grande connaissance. Le jour où je sens que je suis en danger, je ne peux rien faire, moi, je t'abats spirituellement. Tu vas dans le spirituel, on va s'envoler là-bas, puis chacun va donner qui a raison. Il y a toujours dit aux sorciers, j'ai toujours dit, vous ne moyennez pas quelqu'un qui est dans le Seigneur. Moi, je suis dans le Seigneur. Je suis le maréchal qui peut vous détruire. C'est pour ça que tous les fétichés là, mais pas, vous êtes dans le salon, vous bavardez. Vous préférez être comme ça, il est comme nous. Je ne suis pas comme vous. Montrez-moi ce que vous faites. Vous êtes dans le salon. Je vois les sorciers parler. Non, lui là, je ne suis pas comme vous. Je suis comme vous. Montrez-moi vos œuvres. Vous comparez ce qu'il fait là. Vous voyez ce qu'on fait, vous voyez ce qu'il fait. Mais parler, c'est facile. Tout le monde peut se lever matin pour une vidéo. Moi, j'ai plus de 5000 vidéos. Je ne cache pas mes choses. Pourquoi vous cachez pour vous? Je suis comme vous. Montrez-moi pour vous. Tu as une fois fait orphelinat, tu as une fois aidé quelqu'un. Moi, j'ai mon histoire. Je ne cache pas pour moi. Je ne fais pas ça pour filmer, pour me montrer que je suis fort. Je dénonce la pratique de la sorcellerie. Quelqu'un qui marche avec Satan ne peut pas mal parler de Satan. Tous ceux qui sont partis au congrès de RDR, ils étaient tous avec RDR. Celui va prendre le micro pour dire, non, RDR, je vous insulte. Si tu arrives à William Smith, c'est que c'est bon. C'est que Dieu est toi. Si tu arrives à William Smith, gloire à Dieu. Mais en ce moment, on ne sait pas si on peut trouver ça. Toi, tu es dans un parti. Et puis, tu as venu insulter le parti. Qui t'a oublié d'être dedans?
C'est qu'on n'est on est pas dans ça qu'on dénonce ça. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis là. Je vous ai toujours mis au défi. Tous ceux qui disent qu'ils sont sorciers, qui sont puissants sorciers, rencontrez-moi. J'ai mon numéro, ce n'est pas caché. Appelez mon secrétariat. Vous dites, je vais rencontrer le prophète Crasso. Comme il bavarde beaucoup là, je vais le rencontrer. Moi, je suis allé sur les émissions télé. J'ai toujours lancé des défis. Quand je suis dans une émission télé, j'ai dit, je vais voir ça. C'est à cause de nous aujourd'hui là. Aucun féticheur ne passe à la télé. Ça va, ils bavardaient. Ils ont bavardé jusqu'à pendant 2 ans. Puis je suis monté. J'ai dit, bon, c'est fini. Les pasteurs vous parlent, puis ils tremblent, là. C'est fini. Moi, je prends la défense de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Amen. Celui qui dit du pasteur. Celui qui dit du pasteur, je suis premier, je me mets garant. Comme cobaye. Faut venir. Mais tu es. Vous rencontrez les histoires dans les journaux, où tu es pasteur, où tu es ça. Tout le monde est libre. Tu peux mentir comme tu veux. Mais est la vérité. Envoie-moi. Viens, on se rencontrer. Le jour où un féticheur se tromperait pour dire je défie l'onction que sur toi, il va se convertir. Moi, je les provoque pour qu'ils sachent ce que j'ai vécu là, ce que j'ai reçu, j'ai vu là. Qu'ils puissent voir ça aussi. Amen. Parce que j'ai vu ce qui est en Jésus. Depuis quand Félix peut tuer un Dieu? Non. Depuis quand? Quand un fétiché peut s'envoyer quoi? Où est l'Afrique? On est devenu quoi? Pauvre. Nos parents sont esclaves, on nous maltraite toujours. On est toujours dernier. Et puis mon petit là, il porte bague. Mon petit là, fais sur toi. Je compte te délivrer. Porte bague. Il va avoir cancer de ongle. Mais ça nous envoie où même? Amen. Il y a des gens même, ils mettent un fétiche dans le champ de maïs. Où jouaient les gens? Quand il y a faim, il va venir maïs. Quand on est encore très jeune, on dit on pisse, ça gâte fétiche. Vous n'avez pas vu ça aussi? On dit on pisse. Quand tu vois fétiche bizarre, hein, quand tu quittes, tu pisses, puis tu gâtes maïs. Tu vas presser pour manger. C'est pipi qui mouille ton maïs, ton fétiche. Vous voyez comment on est resté en retard avec toute cette merde qu'on nous a mis dans la tête. Maintenant qu'on entend d'étudier cette connaissance satanique dans nos enfants, on les met au monde. Il y a des gens qui sont en France qui mettent ils appellent en Afrique. Mon enfant est malade, qu'est-ce qu'on fait? Il chauffe. Il faut l'envoyer pour qu'on appelle les petits trucs pour qu'il ne chauffe plus. Mais il faut qu'on lui mette les courriers. Nous, on a tout regardé. Mais quel enfant ne regarde pas? Il est monstre ou bien? Et on voyage, on est en Afrique, on est en Europe, on a l'esprit de l'Afrique avec nous. Je ne sais pas où les Kines. Les gens disent non, le Dieu de l'Afrique, et puis le Dieu, il ne faut pas en mélanger les dieux. Jésus, le Dieu des Blancs. Bon, je dis, bon. Dieu des Blancs qui les fait développer, puis Dieu des Noirs qui nous met dans le noir en esclave. Vous choisissez quoi? Moi, je préfère le Dieu des Blancs. Ton sif, là, c'est fabrique où? Il est où dans les fabriques? Il est où? Je le blanc. Dieu des Noirs, il fabrique ça. Qui se met? Vous êtes malade ou bien? Vous voulez nous distraire? Ton Dieu, il fabrique ses femmes. C'est chez les gars, on fabrique ses femmes. D'abord, on l'envoie ici. Ton Dieu a fabriqué lui-même. Il a une voie construite. Non, pour qu'on mélange. C'est pourquoi j'ai vu quelqu'un brûler la Bible. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël se révoltera contre toi. Amen. Il dit les vaudous. Et puis, brûle la Bible. Je l'ai vu. J'ai dit, toi. Dieu va se révéler à toi. Tu ne vas pas mourir, hein, mais tu vas souffrir. Tu vas te convertir. Tu feras une autre vidéo pour dire pardon à Dieu. Amen. Je m'en balance la vidéo. Je ne savais pas, mais balance la vidéo d'un gars qui dit il est vaudou, il est vaudou. Pourquoi l'Haïti est menacé? Les Haïtiens, là, pourquoi ils sont menacés? Parce qu'ils sont experts en vaudou.
Les anciens, c'est vaudou. Et ils vendent, ils ont un marché spécial des rituels pour faire le vaudou. Vaudou, les bénins ont créé là. Vous êtes devenus plus puissants qu'eux. Eau de cadavre, pour aller attacher les gens. Le Brésil, ils ont pris ça comme pour eux aussi. Regardez tout ce qui arrive au Brésil. Le Bénin, même, qui est tout près là. Nous, on est plus puissants que eux. Ce n'est pas péché, hein. C'est la vérité. Toi, tu vois, ils voient. La Côte d'Ivoire est plus modernisée que eux. Ici, c'est liberté de culte. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas commencer à blaguer. Mais vos doux avez là, ça vous apporte quoi? Mais attendez, ne soyez pas bêtes. Excusez-moi pour l'expression. Mais quand vous vivez dans une situation, que le Dieu vous priez là vous apporte plus rien, changez-le. Vous êtes obligé de laisser lui. Moi, j'étais dans une autre religion. On me mange. On me bouffe. On m'a brisé. Apprécié. Et puis un matin, Dieu m'a délivré. J'ai rencontré Jésus, il m'a délivré. Non, toi-même, tu es africain. Hein? Il faut valoriser la culture. Mais moi, je parle de l'Afrique. Je ne parle pas du fétiche africain. Parce que le fétiche africain, c'est un pacte avec Satan. C'est un pacte avec Satan. Comment on peut vous conseiller d'aller tuer un mouton devant un arbre, près d'eau, invoquer ce Dieu-là? Il va t'apporter quoi? C'est tout ce qui nous a mis aujourd'hui dans un état pas possible. Vous êtes dans le salon, vous dites, non, le prophète là-même, il est fétiché comme nous. Montre-moi ce que tu fais. Montre-moi. Moi, j'ai 5000 vidéos. Quelqu'un qui est dans le faux, il ne cache pas. Il cache ce qu'il fait. Il cache. Il ne monte pas. Vous venez, vous tous, on ne vous surveille pas. Vous êtes libres. Ici, vous baladez, vous voyez tout ce qui se passe ici. Attends. Un féticheur va te mettre dehors, il va te mettre dans un rideau. Et vous, tu ne sais pas. Il va même pas, tu ne vas pas avoir accès à ses rituels, tout ça. Je parle toujours aux médias, ceux qui me vilipendent sur les réseaux sociaux, je suis là. Si vous voulez bien un débat, vous voulez bien venir en Côte d'Ivoire, parce que vous ne comprenez pas ce que je fais, c'est possible que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je fais. Ça, c'est normal. Mais si vous voulez, que vous n'avez pas, peut-être vous avez une autre nationalité, que vous voulez du visa, adressez-vous à moi. J'ai mon mail. Vous appelez mon secrétariat, je vous donne l'invitation. Et puis, vous avez le visa. Moi-même, je vais vous chercher à l'aéroport. Et puis, je vous m'interroger. Je suis pas le genre compliqué ou même le genre fermé. Et puis, on va parler. Maintenant, si toi, tu découvres, tu dis que tu as Dieu. Quelqu'un qui a véritablement Dieu, il ne parle pas mal de son camarade. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont confiés à moi, c'est resté dans mon cœur. Je les ai aidés. Je ne les ai jamais exposés. Le prophète allait détruire le dragon de Gros là. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Tu es un serpent, ça c'est montage. Il y a des choses, vous voyez, vous laissez ça. C'est que vous ne comprenez pas pour rendre les gens bizarres dans la tête. On dit le prophète a été tabassé par un démon. Mais qui a gagné? Ah! Quand vous partez d'un combat, l'autre va donner, l'autre va donner. Mais qui gagne à la fin? Il a été tabassé par un démon. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes là pour promouvoir les démons. Vous parlez des démons seulement. Lui, il est faux pasteur. Lui, il est faux prophète. Mais le vrai, il est où? Vrai là-même, il est où? Vous n'avez jamais parlé de vrai. Bon, moi, mon tabassé, c'est ce que tu as dit. Qui a gagné le combat? Amen. Merci. Je suis allé sur son territoire. Il a donné le coup qu'il pouvait donner. Mais il a gagné. Il a détruit le fétiche. Ça brille, Boris, c'est tout précis. Ça s'est passé, c'est tout précis. J'ai sauvé une famille. J'ai expliqué. Une famille qui m'a fait appel. C'est pas moi qui suis rentré. Parce que la maman découvrait un fétiche dans une rivière. Elle allait prendre de l'eau, Marigot. Et quand l'esprit apparut sur l'eau, lui a dit, prends-moi, je vais t'apporter le bonheur. C'est comme ça qu'il blaguait nos parents avant. Donc l'esprit se transforme en cardinal qui tombe dans le seau. Attends. Ce que nous on a vécu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas monter sur les réseaux sociaux. Parce que c'est choquant. Au fait, justement, c'est parce que c'est choquant ce qu'ils ont vu
qui ne comprenaient pas, ils ont pris ça, ce petit élément-là pour m'attaquer. Or, il faut analyser. Il ne faut pas te baser sur un fait, petit fait, pour dire que le gars est diabolique. Pour un vrai chrétien, il prend du temps. Les blancs, ils étudient. Ils comparent les choses. Ou bien ils veulent la source. Parce que de toute façon, Dieu me parle. Il y a ce qu'on appelle le logos et le rhéma. Il y a des choses que Dieu me dit, qu'il ne t'a pas forcément dit. Donc du coup, on cherche à me voir parce que l'esprit est venu à la maison. Elle a envoyé le cardinal à la maison. Et l'esprit lui dit, faut parler. Elle prend le cardinal, parle, et jette le cadenas, ça disparaît, ça rentre dans la terre. Elle dort, et l'esprit lui dit en rêve, donne-moi ton enfant. C'est un diable où jouer. Diable. Diable. C'est pas ton camarade. Elle dit non. Elle dit, mais je suis déjà là. Non. Mais tu veux pas, je suis déjà là. Bouh, son aîné est mort. Elle essaie, elle se laisse, elle a le secret, elle n'en parle pas. L'année qui a suivi, boum, celle qui suit, l'année est morte. Troisième année, chaque année, une personne mourait. Ils l'ont fait asseoir pour dire, ah, nia, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous en Afrique, on a une tradition en nous. Ce qui fait que par moment, il y a des choses. Quand ça se passe, ne pensez pas qu'on est superstitieux. Mais on a quand même le discernement de comprendre que la mort là n'est pas naturelle. Non, c'est parce qu'on est bête. Je suis désolé. Mais on se dit non, c'est pas naturel. Ce qui est en train de se passer. C'est là la maman dit, ah, mes enfants, vous avez raison. Mais si je parlais, vous allez me frapper. Non, mais je suis trop bête. On dit, mais tu es bête comment? Je suis allé au Marigot. J'ai trouvé dragon, un gros serpent, comme un attendant. Baba Melin, il m'a parlé. J'ai peur. Voici ça. J'ai mis le cardinal dans la maison et c'est ce qui est en train de vous tuer. Quoi? Que moi-même, je ne sais pas comment m'en débarrasser. J'étais à Zaroko quand les gens sont venus me voir à Zaroko. J'aurais dit, c'est petit. Je suis maréchal de la brigade. Les gens disent non, mais c'est fétiche. J'ai dit, il faut laisser. Fétiche là, c'est petit frère de sorcellerie. Sorcellerie là même, c'est grande soeur. Fétiche là, c'est petit. Si j'ai plus que. Si Dieu m'aide à vaincre la sorcellerie, c'est qui peut m'aider à vaincre le fétiche. Amen. Donc on m'envoie, on dit, ah, on ne voit pas ça. J'ai dit, je vois, je suis voyant. Le prophète avait dit voyant. Donc je pars moi-même, m'imprégner de cette réalité en parlant à la maman. Pour savoir si elle est prête à laisser. La maman m'explique tout en pleurs. Elle est menacée, la vieille. Elle est menacée. Ok. Je dis, comme Satan, c'est un menteur. Dieu m'aidera à vous aider. Parce que quand il rentre dans la famille, il dissime la famille. C'est ce qu'il entend de faire. Ok. Le Seigneur m'aidera. On a commencé. La maman dit, il est dangereux. Hein? J'ai dit, mais attends, quand vous dites dangereux, ça veut dire, il est plus fort que Dieu, quoi. Okay. David a dit à Goliath, je viens contre au nom de l'Éternel. Pour mettre ta tête. Effectivement, quand il a foncé sur le fétiche, il m'a flashé. Mais il a gagné. J'ai localisé où c'était. J'ai dit, toi et moi, tu meurs ou je meurs. Je ne laisse pas ça. Parce que c'est la famille en danger. Au risque de ma vie, je sauve les gens. Vous écrivez sur YouTube, un démon, un tabasse le prophète. Mais voici, est-ce que je suis mort? Non. Ils ont des thèmes, c'est ce qu'on appelle le sensationnel. Ils créent le sensationnel. Ils sont dans les salons. Hein. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont dans les salons. On ne les a jamais vus sur le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Comme ils savent que le prophète est beaucoup suivi, ils créent un truc, une polémique.
pour regarder. Mais ça dit que vous encouragez les gens à abandonner le Seigneur. Maintenant, quand vous dites que le prophète, ce qu'il fait n'est pas bon, maintenant, voici lui là, ce qu'il fait est bon. Vous n'avez jamais dit, voici les vrais serviteurs de Dieu. Tout le monde est faux. Attendez. Tout le monde est à la fois faux à la fois. Son Dieu, il est bête, quoi. Moi, je suis convaincu que ce qu'il est fait là. Frère, je suis intelligent, je suis un intellectuel, je suis allé à l'école. Si ce n'est pas l'appel de Dieu, je ne fais pas ça. Ce n'est pas le travail. Aller poursuivre, sorcier, regarder dans ses narines, tu as mangé quoi? Mon papa, ma maman, ça c'est travail. Quand tu me regardes là, c'est travail comme ça qu'il peut faire. Toi, mais quand tu me regardes, c'est travail qu'il doit faire. Si ce n'est pas l'appel de Dieu, tu fais comment? Tu vois dans les narines du sorcier, tu vois souvent. Durer dans ses narines, dit que c'est lui. C'est la grâce de Dieu. Comment j'ai été victime de ça? Donc j'ai fait ça avec beaucoup de passion. J'ai localisé le fétiche. Le fétiche, forcément, j'ai dit quoi? Fais ma charrette, j'ai dit forcément, j'ai été détruit. Il y a des gens morts. Ou tu me détruis, ou c'est moi qui te détruis. Voilà. Donc, creuse, je prends le fétiche. Là, c'est. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus attendu de mort dans la famille. Amen. Pourquoi vous reprenez ça pour moi? Et vous prenez ça pour m'attaquer? Venez à la source pour dire la vidéo qu'on a vue là. On allait à la source, on a mené une enquête. La femme là, voyez ce qu'elle a dit. Moi j'ai. Voilà, mais tu prends une vidéo puis tu rencontres ce que tu as envie de rencontrer. Vous rencontrez ce que vous avez envie de rencontrer. Mais moi, je m'attendais à ça. Hein. Parce que si je fais un combat, que les gens ne m'attaquent pas, c'est que je ne suis pas de Dieu. Parce que les véritables enfants de Satan vont m'attaquer. Si 10 enfants, 10 personnes, vous allez voir 3 enfants de Dieu, 7 enfants de Satan. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les enfants de Dieu, il y a beaucoup. Hein. Enfants de Dieu comme toi et moi, là. Il y en a petit. C'est pour ça que moi, je ne fais pas confiance aux gens. Si je marche à toi, je dois savoir si tu m'envoies dans le succès ou dans l'échec. Si je marche à toi, je n'avance pas. Je me sépare de toi. Tu ne deviens pas mon camarade. Je marche à toi, pourquoi? Attends, vous pensez qu'on marche comme des camarades comme ça? Tout c'est par rapport à intérêt. On suit Dieu pourquoi? Parle au ciel. Tu vas venir sur Dieu. Je ne sais pas, tu aimes le Seigneur, les merveilleux. Comme ça. Vous êtes malade ou bien? Pourquoi ça fait des merveilleux? J'ai vu en Dieu celui qui peut me protéger. C'est ça que je suis confiant, je le suis. Parce que s'il marche selon lui, il va me protéger. S'il ne me protège pas, il faut qu'il lui. Il faut qu'il lui. Faut que les gars nous disent la vérité. Les disciples ont dit un matin à Jésus, dans l'évangile des Jean, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous gagnons quoi? C'est la vérité. Je gagne quoi quand je te suis? Celui qui aura quitté son père, sa mère, gagnera ici. Puis il a pris son épée, l'a mis sur lui. Il dit, je te protège. Maintenant là, tu as parlé vrai évangile. Wow. Allons-y. Personne ne va te toucher. Je suis ton gars de corps. Je suis ton gars de corps. Toi, Jésus, on peut gagner maison, on peut gagner l'argent, et puis après le salut, bon, je suis ton garde-corps. Le gars est venu attraper, Jésus, il a coupé son oreille, laisse-le. Allez, laisse-le. Il a coupé son oreille. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu vas le banaliser. Moi, je sais qu'il est. Chacun a une expérience personnelle. Chacun. C'est pour ça que, frère, on n'a pas besoin de parler. Vous savez, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas eu la révélation de Dieu, c'est tout. Mais le jour où tu as la révélation de Dieu, tu vas le prendre au sérieux. Amen. Pourquoi on est à l'église ici? Parce qu'on sait qui il est. Ceux qui n'ont pas la révélation sont en train de tourner. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas venu à l'église à cause de j'aime le Seigneur, il y a le paradis. Le jour où le pasteur m'a dit, je vais prier pour toi parce que tu vas aller au paradis. J'ai dit au pasteur, je ne vais pas au paradis. Je suis désolé. Je suis malade. Il faut me soigner. Il faut laisser paradis là à côté.
Pour parler par il faut mourir. Je ne suis pas prêt pour mourir. Malade ou bien. Et tous les pizzas, les saugrènes, c'est parti vite, vite comme ça. Comme ça. Dis à quelqu'un aujourd'hui, tu aimes le Seigneur, oui, tu es le paradis, oui. Bon, demain tu meurs, il va pleurer. Non. Que non, au paradis là, tu vas plus souffrir, il va pleurer. Que le Seigneur vient te chercher demain, comme tu souffres, tu n'as pas de maison, tu auras une maison, il va pleurer. Ou bien, qui est garant pour aller au paradis aujourd'hui, demain, matin? Si là, c'est tout. Ou bien, voilà là, tu manges, la gagne. Tikiti. La vie, ça va? Tout petit. Là-bas, mange pas. On dit, tu vas adorer le Seigneur seulement. Amen. Tu n'as pas reconstruit une maison. Tu n'as pas encore fait ça. Puis tu vas mourir. Non, Seigneur, je souffre trop. Il y a rien qui prie. Seigneur, je souffre. Le petit démon, il souffre. Non, Seigneur. Le Seigneur dit, bon, comme tu souffres, demain, viens près de moi, ma droite. Tu vas accepter. Que ma chère fille, je t'aime trop, comme tu m'aimes, viens où je suis. Tu as bourri ma tête, 1 heure du matin. Ou bien, mais c'est pour ça que par moi, soyez réaliste. Soyez tellement réaliste, c'est-à-dire, par moment là, vous vous prenez pour les extraterrestres, allez, vous faites comme vous êtes des esprits. Or, toi-même, tu sais que tu aimes ici. Tu aimes Tau, Dabrou, tu aimes ça. Tu aimes quoi encore? Bala, Tikriti, tu aimes Ndolé. Ndolé, tu aimes ça. Vous mangez Ndolé, vous aimez tout ça. D'accord? Quand tu es en Jésus, lui règle le problème. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce qu'il a dit? Il faut qu'elle sente au moins ce qu'elle a retenu. Tu as retenu quoi? J'ai retenu que moi-même j'ai senti aussi. Ce n'est pas ce que tu as senti. Dis-moi ce que tu as retenu d'abord, après tu as senti ce que tu as senti, tu vas dire après. Tout ce qui est dit là, tu as retenu quoi? Qui t'a aidé? C'est Dieu qui m'a aidé. Tu es venu d'Italie, non? Si. Qui parle un peu l'italien pour l'aider? Non. Si, il y a compris sur tout. Je n'ai pas dedans. J'ai compris quoi? C'est très, très. Quand il me dit pronto, pronto, l'air italien dit pardonnez. Laissez-moi mon français. J'ai fini, il est parti. J'ai dit. La sorcellerie avait déjà détruit. Mais, quand il y a un mais, c'est que la solution vient. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, je ne donne pas trop de révélations en public, je vais à l'essentiel. Parce que j'ai remarqué les gens, ils viennent peut-être qu'on parle de la vie, qu'on parle de... C'est bien. Moi, je te délivre. Donc, je te délivre de la situation. Parce que naturellement, les gens, ils retiennent ce qui est mauvais. Comme on a mis les savoirs maintenant. Quand il est interprété, il dit, mais la sorcière m'a dit à manger, il a jeté le micro. Vous voulez jeter le micro? Ça va maintenant? Tu crois en Jésus? Hein? Oui. Très bien. Parce qu'il faut amener les gens à croire en Dieu par rapport à votre ministère prophétique. Parce que quand les gens viennent et puis pensent que le prophète doit tout dire, et puis ils retiennent que ma maman doit me tuer, et que ma maman doit me tuer, je vais prier pour qu'elle ne te tue plus. Elle retient que sa maman doit te tuer. Donc elle va avec cette histoire négative. Or,
La première activité qu'un homme de Dieu doit mener, c'est d'amener le croyant qui est en face de cette action à croire d'abord en Dieu. Voilà. Donc, il faut prêcher l'évangile qui est vrai. Il faut amener la personne à croire. Tu ressentais que tu allais mourir. Si. Tu sentais ça. Si. Que tu allais mourir. Mais c'est Dieu, Dieu t'a déjà délivré. Amen. Il n'y a pas d'église où je suis. Ah non, moi je n'ai pas d'église où je suis. Moi je suis à la Riviera. Bon, je ne dis pas c'est. C'est Saint-Viateur. Mon fils là, il est au bord de l'étage là, Saint-Viateur. Il m'a salué? Si, si. Et puis il parlait à lui? Il dit, tu n'avais pas le temps, ta voiture était déjà. Ah, peut-être qu'il m'a vu, je n'ai pas parlé à lui. Moi quand je rentre dans mon quartier, je fais comme si je ne suis pas prophète Crasso. Ouais, parce que je n'ai pas compte de coup chez moi. Je rentre ici. Quand je rentre chez moi, je mets pour dormir. Je veux qu'il m'a dit, maman, comme tu es resté seul là, faut venir à Abidjan, tu vas aller chez le prophète. C'est ça, il dit, Joël, mais Jean là, il ne me donne pas congé. Il s'appelle Joël aussi. C'est... Comme moi. Il ne me donne pas congé. Joël me dit, l'éternel est Dieu. Amen. Il dit, maman, faut faire un effort, tu vas venir. Même si tu quittes là-bas, on ne peut pas te renvoyer. Fais un effort. C'est ça que j'ai demandé à mon chef. Je travaille à la douane là-bas. Je leur donne café. Café qu'il n'a pas chez eux là-bas. Là. Café de chez nous. Là. C'est moi que je les sers café matin. Et les minutes. Il dit, maman, si tu viens, on ne peut pas te renvoyer. Fais un effort. Amen. C'est ça que je suis. Est-ce qu'elle a retenu quelque chose? Est-ce que Dieu peut te guérir, te délivrer? Oui. Jésus. Si. Jésus te libère. Amen. De la mort. Amen. Toute programmation de mort est détruite. Dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Je commande à ton âme captive d'être libérée. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te restaure ce matin. Merci d'agir. Merci de te manifester. La gloire de Dieu éclate dans ta vie. Le pouvoir de la mort est détruit dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons. Tu es délivré. Amen. Comment tu es délivré? En italien. En italien. Délivré en italien. Tu as liberato. Tu as liberato. Liberato. Le Seigneur, on appelle le Seigneur même chose. Même chose. Le Seigneur t'est liberato. Le Seigneur t'est liberato. Amen. Amen. Tu es dans quelle ville? C'est à Bologne. À Bologne. C'est pas loin de Milan? Si, c'est pas loin. À combien de kilomètres? Tu viens même là, je viens même là. Non, c'est à combien de kilomètres? C'est 5 kilomètres. Très bien. Moi, je connais bien Milan. J'ai déjà séjourné à Milan, à Milano. Je connais bien la ville de Milan, c'est super. Voilà. Ah, je suis parti, je me suis couché à un vieux italien. Bon, faut aller, c'est ta vie. C'est ta vie privée. Elle vient même temps de canater. Tout expliqué. Donc le vieux est là. Faut dire au vieux, le prophète arrive. Hein? Oui, oui. Dieu vient gratter le prophète. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de
Moi, je ne mange pas spaghetti, hein, je ne mange pas les pâtes, sauce graine, tiquetti. Moi, je ne suis pas là pour votre vie. Après, c'est pas mon sport. Tout ce qui est pour le travail, ça. Mes parents ont vécu dans cette chambre, vous défendez là-bas. Amen. Amen. Est-ce que mon frère, oui. Je ne peux pas. Tu veux t'étudier là? Vous m'envoyez au village. Si. Vous voulez m'envoyer au village? Si. Je suis prêt? Mais c'est pas maintenant. Ah. Je vais rentrer d'abord. Vous rentrez d'abord? Si. Vous m'invitez après? Si. Vous voulez que je fasse quoi? C'est toi qui trouves. Comment on dit s'asseoir? Cédité. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu veux le visa? Je vais donner le visa à ton frère. Tu veux ça? C'est... Non. Ah non, le visa? À ton frère. De la Mauritanie. Ah, si, si. Si, si. 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 Ok. C'est ça, grand Mauritanie. La connais. Non, je l'ai dit. Tu la connais, Mauritanie? Si. Chez les morts. Si, si. Chez les morts. Oui, oui. Le visa. C'est sur Internet. Ah, c'est sur Internet. Voici l'Internet lui-même ici. Bravo. Tu as guéri, tu es délivré. Amen. La personne qui veut te manger prendra sa place. Amen. Parole du maréchal de la brigade en tout sens. Amen. Chacun a reçu un mandat de Dieu. Chacun d'entre nous. Ce qui est dit là, ça va s'accomplir. Amen. J'ai demandé le visa. J'ai demandé le visa. J'ai 3 jours pour faire le visa. Amen. J'ai fait le 3 jours en visa 3 jours. Amen. Je vais me consacrer spécialement à ça. Et puis j'ai expédié le visa. Amen. Comme ça, tu vas rendre témoignage. Tu reviendras. Ou bien, quand je serai là-bas, tu vas me rendre le témoignage. Amen. Vous avez bien son visa, elle va rendre le témoignage. Voilà. Quand je serai là-bas, tu vas me rendre le témoignage. Amen. Que Dieu m'a amené à parler et les choses. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen.